because I hears your lonely heart. La chose principale avec les acteurs, c'est l'abandon, une sorte de confiance qu'ils vous font. Et je pense que les performances d'acteurs, elles se font à trois. Il y a l'acteur, l'actrice, le metteur en scène et le personnage. Et c'est une chose à trois. Ils veulent se débarrasser de moi. Et vous, ils vous ont acheté? Je suis toujours attirée par des choses que j'ai pas explorées. Et il y a une espèce de passion et de fièvre chez elle. Ce qui me touchait aussi, c'était de raconter l'histoire d'une femme qu'on enfermait dans un milieu sans respecter son désir et sa passion, et à quel point ça pouvait mener à une certaine forme de folie. Vous êtes une collègue d'Agostine? Non, je fais la cure. Moi, je descends jamais. Il y a que des malades en bas. C'est très beau comment Nicole et Marion racontaient leur rencontre, ce quasiment un coup de foudre, alors que moi c'était vraiment un homme qui galère. C'est-à-dire elle m'a appelé et elle m'a dit oui, je ne sais pas. Et j'ai dit oui, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas si tu peux faire ça. Mais j'ai dit bon, écoute, je ne sais pas non plus, tu dois savoir. Oui, mais je ne sais pas non plus. Je ne sais pas vraiment, mais je voulais te voir. Mais pour être sûr de ne pas savoir, au fond, là, je ne sais vraiment pas, tu vois. Alors j'ai dit, bon, alors tu ne sais pas. C'est tellement bien décrit. Alors, on se rappelle. Je crois que nos personnalités se sont dévoilées au fur et à mesure. La réalisatrice nous a dit d'être soi-même et de se laisser aller. Donc, pour chacun d'entre nous, notre humour du jour était ce qui comptait. Pendant mes voyages aux États-Unis, j'ai vu pas mal de choses et le film est le résultat de ce que j'ai connu pendant ma jeunesse, donc à travers Hollywood, Petite maison sur la prairie, ou les cow-boys, etc. C'est une combinaison de ces images-là avec les États-Unis contemporains que j'ai vus pendant mes voyages.
que vous vous considérez comme des sales gars? Moi, je suis Batman, lui, c'est Robin. Ensuite, prochaine question. Quelqu'un m'a posé la question récemment. Quel super-héros serait-on? Moi, j'ai dit Fatman et Ruban. L'alchimie qui opère entre vous deux est formidable. C'est comme si vous aviez déjà tourné 9 films ensemble. Je ne sais pas si je devrais les dire, mais ça m'a rappelé Bud Spencer et Terence Hill d'une drôle de manière. D'une certaine manière. Ça, c'est du vrai parler. Ça, c'est flatteur, ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Hey. How stupid do you think I am? I got a license to carry, motherfucker. Ever since your little visit the other day, this little baby's gonna stay right here. Les années 70 nous donnaient une bonne fenêtre sur une époque, parce que dans le film Chinatown, par exemple, il y a les années 30 avec la corruption autour de l'eau. Los Angeles est une destination pour les rêveurs. Leur rêve était de venir sur la côte, mais ça dégringolait. Donc le côté glamour que les gens avaient vu était parti. Tout ce qui reste, c'est les lettres qui tombent en ruine sur une montagne. This is a high profile case. Made newspapers. Where is Amelia? What the hell's going on? Oh, you know, there's a guy coming to kill us. That kind of crap. Ever told on a nigga? No. Ever squeezed the trigger? Yeah. Ever set a nigga up? No. Ever helped a brother out when he was down on his yeah. luck? You a sap? Boss player, you a Mac? Yeah. Let me hold a couple dollars. No. Y'all still be popping y'all collars? Yeah. Stock rims on the string? No.